Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme prévu, on va faire aujourd'hui une vidéo haul spéciale concours aussi de la marque Miss A que je connaissais pas du tout, qui fait vraiment un carton parce que c'est une marque qui est connue pour être vraiment pas chère. La majorité des produits dans le site coûtent 1$, ce qui est vraiment assez peu pour une marque de cosmétiques make-up, c'est un truc de malade. J'ai halluciné quand je suis partie sur le site. J'ai vraiment eu envie de tester cette marque, voir un peu ce que ça pouvait donner, parce que surtout en fait, il y a énormément de bons retours sur la marque. Et je vous dis, mais sérieusement, c'est quoi cette différence de prix quoi? En fait, j'ai eu la bonne surprise d'avoir des frais de douane à payer. Et franchement, je suis pas étonnée. Ce qui m'a étonnée vraiment, c'est que ça vienne de la part de la Poste. Je savais pas que la Poste faisait payer des frais de douane. Mais sinon, franchement, je suis pas du tout étonnée parce qu'à chaque fois, je les paye les frais de douane quoi. J'ai toujours des frais de douane à payer à chaque fois que j'achète à l'étranger. C'est un truc de fou, mais bon, je m'en fous un peu parce que je voulais vraiment recevoir ce colis vu que j'avais vraiment envie de tester la marque et surtout c'était pour le concours. Pas de colis, pas de concours, donc j'ai vraiment pas hésité. Mais pour info, j'ai payé 15€ les frais de douane sur le colis. Voilà, donc bah écoutez, on va découvrir la marque et voir un peu ce que ça va donner. Je me suis fait un énorme bol de thé, la fille qui abuse, c'est un English breakfast et du coup, pour pousser le bouchon jusqu'au bout, je me suis rajouté du lait à l'anglaise. Je suis sûre qu'il y en a qui doivent détester ça, qui trouvent ça dégueulasse, mais franchement, moi j'adore quoi. Surtout le matin, j'aime bien mélanger mon thé avec du lait, je trouve ça trop trop bon. J'ai failli m'étouffer. Oh, oh, je trouve ça super bien protégé, c'est vraiment top. Juste pour info, je suis tombée au moment où je faisais ma commande sur des mystery bags qu'ils proposaient dans le site. Et du coup, j'en ai pris pour moi et pour vous aussi. Et j'aime bien en général tout ce qui est box mystère, mystery bag, tout ça. Et je vais sortir les produits au fur et à mesure. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté pour moi et juste après, je vous montrerai ce que j'ai mis de côté pour le concours. Ok, donc premier produit. D'ailleurs, je me souviens plus du tout en fait ce que j'ai commandé parce que ça fait quand même assez longtemps. Et comme ça vient des États-Unis, ça prend quand même pas mal de temps et apparemment c'est passé aux douanes donc c'est encore pire. Mais je me souviens plus ou moins de quelques produits mais pas tout quoi. Alors, ah oui, je me souviens de ça. Ah mais ça c'est pour le concours. Ah zut, bah du coup en fait, je vais vraiment littéralement sortir les trucs au fur et à mesure. Et à chaque fois que c'est pour le concours, je vous le dirai. Et à chaque fois que c'est pour moi, je vous le dirai aussi. Donc pour le concours, donc on a deux petites palettes. L'une, c'est une palette de fard à paupières dans les tons violet et nude. Et on a une autre palette trio, c'est blush et bronzer. Je les trouve super sympas quoi. D'ailleurs, je vous ferai un petit récap à la fin de tout ce que je vous propose pour le concours. Parce qu'après, on va se mélanger les pinceaux avec ce que j'ai pris pour moi aussi. Mais voilà, deux premiers produits pour le concours, très sympa. Ensuite on a, ah ouais mais, ah c'est tordu. Donc ça c'est des petits pots pour les pinceaux que j'avais pris, que je trouvais sympa aussi. C'est tellement serré en fait que ça a tordu mes petits pots. Ok. Ouais donc ils sont tous tordus, je suis dégoûtée. C'est des petits pots à pinceaux dorés que j'ai trouvé très sympa, très très joli. J'en ai pris trois différents. Mais voilà, la qualité est vraiment bof parce que du coup c'est assez fragile quoi, ça se tord très très rapidement. Après je vais essayer de les remettre en place. C'est pas dégueu, mais bon, c'est dommage. Donc voilà, ça se présente comme ça. Franchement, pour 1$, je trouve ça plutôt chouette. Et je les trouve vraiment super mimi. Et ça fait un peu déco aussi. Ensuite, j'ai pris quoi? Ah oui, ça c'est des rubans adhésifs pour les vêtements que je m'étais pris. C'est pour tenir en fait les décolletés. Par exemple, si on a envie de tenir un décolleté de chaque côté qui bouge pas, on peut rajouter ces rubans adhésifs là. Ou sinon, si on a un décolleté vraiment beaucoup trop profond et qu'on a envie de le fermer. Moi, généralement, j'utilise des épingles à nourrice et du coup, j'ai pris ça pour ça justement. Alors, il y en a 12 à l'intérieur et ils disent que c'est double face. C'est inoffensif pour la peau et pour le textile. Ça permet vraiment de couvrir pas mal de trucs qu'on n'a pas envie de montrer, comme par exemple les bretelles de soutien-gorge ou des trucs comme ça. Très très chouette. Franchement, je suis contente. Alors tout ce qui est pour le concours je l'ouvrirai pas, mais tout ce que j'ai pris pour moi je l'ouvrirai, comme ça je vous le montrerai. Alors c'est un baume à lèvres slash masque pour les lèvres qui s'appelle le Jelly Jam. La texture c'est un effet gelé, c'est à base d'huile de coco et d'aloe vera et c'est très très hydratant pour les lèvres. J'aime bien ce genre de produit là. D'ailleurs j'avais envie de m'acheter un masque pour les lèvres de chez La Neige et je me dis en fait ça fait presque la même chose finalement, donc pourquoi pas tester celui-ci. Alors il est à la rose et j'adore la couleur, c'est une espèce de rose Barbie bonbon bien flashy, mais à mon avis il doit être transparent une fois qu'on l'a appliqué sur les lèvres et j'adore quoi. Deux autres baumes à lèvres super sympa, j'ai adoré en fait sur les photos ce que ça donnait en fait comme effet, c'était vraiment super joli et c'est des baumes à lèvres qui hydratent et donnent de la brillance aux lèvres. Ils disent que ça donne un petit voile de couleur mais ça reste transparent, c'est léger et ça donne un effet glossy. Alors je vais en ouvrir un des deux, je vais prendre celui-ci parce qu'il est déjà un petit peu abîmé, je sais pas si vous le voyez, et je vais vous laisser celui-ci dans le packaging et intact pour le concours. Oh c'est brillant de malade. Oh ah ouais non c'est super brillant en fait. Donc le packaging est simple, à l'intérieur en fait il y a une espèce de petit tube de couleur et à l'extérieur une espèce de tube transparent avec plein de paillettes dorées quoi. C'est trop joli, j'aime beaucoup. Ah mais c'est vachement coloré.
Je pensais que c'était vraiment transparent, quoi. C'est carrément rouge. C'est ouf. L'application est super agréable. L'odeur, elle est très très sympa. Franchement, top, quoi. Pour 1$, c'est vraiment mais nickel. J'adore. Ensuite, on a un rouge à lèvres qui se présente comme ça. Donc c'est le lipstick matte, c'est un rose fuchsia. Je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais c'est vraiment la couleur girly par excellence. Et pour l'été, c'est vraiment super joli. Je vais pas l'ouvrir parce que c'est pour le concours. Mais en tout cas, vu comme ça, il a l'air vraiment très très sympa. Alors on continue avec... Ah, ça c'est pour le concours aussi. Donc c'est un lot de deux pinceaux. Un pour le visage, un pour les yeux. Et pareil, vu comme ça, ils ont l'air super doux. Je vais pas le toucher, je vais vous le laisser tranquille. Mais vu comme ça, de prime abord, ça a l'air... très très chouette, franchement très bonne surprise. Donc là j'ai pris deux trucs que j'avais envie de tester parce que à 1$ je me suis dit franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un recourbe cils, donc ça coûte super cher, bon le packaging a pris cher mais c'est pas grave, je vais l'ouvrir. Franchement les recourbe cils je trouve ça vraiment pas donné quoi, niveau prix, et fallait que je change le mien. Donc là c'est vraiment top, à 1$ j'avais vraiment envie de le tester et à vrai dire niveau qualité, niveau rendu, ça fait pas du tout cheap quoi. Non mais c'est un truc de malade, je suis choquée, j'ai hâte de le tester. Et l'autre truc que j'ai pris, c'est assez original. C'est un rasoir pour les sourcils. Donc normalement moi je les épile vraiment à la pince. Mais pour les moments où j'ai vraiment la flemme, où j'ai vraiment besoin de faire le truc à l'arrache vite vite, je me suis dit pourquoi pas tester les petits rasoirs pour les sourcils. Après j'ai vraiment peur que ça m'épaississe le poil, ce qui est quasiment sûr. Mais je me dis que d'un autre côté j'ai envie de le tester quoi. Donc j'en ai pris quand même pour 1$ aussi. Par contre faudra vraiment quand même faire gaffe parce que c'est quand même des rasoirs quoi. Un autre truc assez sympa pour l'été et assez original aussi, c'est une espèce de gadget quoi, on va dire. C'est un marqueur qui permet de faire des taches de rousseur. Alors j'ai quelques taches de rousseur mais je me suis dit pourquoi pas tester le marqueur pour pouvoir régulariser un petit peu tout ça. Et il y a pas mal de marques qui ont sorti en fait ce genre de produit, mais pas à 1$. Clairement pas à 1$. Du coup j'avais envie de le tester pour pas cher. Tiens je vais l'essayer tout de suite. Ok donc on va tester les petites taches de rousseur même si je sais pas du tout où les placer. Mais on va faire ça au pif. C'est foncé en fait quand même. J'ai pris quoi moi? Ah j'ai pris marron foncé. Merde. En fait ça fait plein de petits points partout. C'est pas... ça fait pas très naturel quoi. J'en remets en fait là où j'en ai déjà et j'en rajoute quelques-unes à côté. Je sais pas en fait, ça fait plein de points partout sur le visage. C'est pas très naturel, je pense qu'il faut le faire en fait avant de se maquiller et par-dessus derrière se maquiller je pense. Parce que sinon là ça fait vraiment assez évident que je me suis foutu plein de petits points sur le visage. C'est pas naturel du tout, j'aime pas. Je sais pas si vous voyez bien ou pas à la caméra mais non. Ça te fait pas trop quoi. J'en ai mis un peu sur le nez. Ouais donc l'idée est sympa. Mais à mon avis il faut y aller doucement et il faut savoir l'appliquer surtout. Par contre le truc là c'est que je vais pas pouvoir les enlever parce que c'est un marqueur au final. Et si j'essaie de les gratter ça va m'enlever le make-up. Donc ça sert à rien quoi. Je vais laisser ça comme ça tant pis. Ensuite je me suis pris un gommage pour les lèvres au café. Quand j'ai vu au café, comme je suis une tarée de café aussi, j'ai sauté dessus direct. Donc ça c'est vraiment nickel parce que j'ai tout le temps des peaux mortes au niveau des lèvres. Peu importe la saison et du coup je fais souvent des gommages. C'est la toute première fois que j'en vois un au café. On va l'ouvrir, j'ai envie de sentir. Oh il est ultra hydratant. Et il sent juste divinement bon le café. Ça sent, vous savez quoi, l'opéra, l'un de mes gâteaux préférés quoi. Ah je suis trop contente. Je vais vouloir le manger le truc, c'est pas bon du tout ça. Et du coup pour moi aussi j'ai pris ce fameux masque pour les lèvres, le Jelly Jam. Et celui-ci il est au miel. D'ailleurs pour la personne qui gagnera le concours, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez des deux en fait en termes de goût. Parce que perso moi j'adore les deux, j'adore la rose, j'adore le miel. Et voilà donc du coup je vais les laisser comme ça fermer tous les deux. Et pour la personne qui gagnera, faudra qu'elle me dise lequel vous voudrez que je vous envoie. Alors en parlant de baume justement, j'ai pris deux autres baumes hydratants pour tout type de peau et surtout en fait qu'on peut utiliser un peu partout. Sur le visage, les lèvres, le corps, peu importe. Dès qu'on a en fait un endroit où on a besoin d'hydratation, où on sent que c'est un peu rugueux, assez sec,
on peut utiliser ce genre de baume. Donc il y en a un à la pêche, l'autre il est à la pastèque, et c'est pareil quoi, les deux j'adore, j'ai vraiment pris les deux senteurs que je préfère. Du coup ça sera à vous de me dire lequel vous voudrez recevoir, je vous enverrai celui que vous aurez choisi. Quoi qu'il arrive, je laisserai de toute façon fermé jusqu'au tirage au sort. J'aime bien en tout cas le concept du baume à lèvres qu'on peut utiliser sur les mains, le visage, le corps, etc quoi, très sympa. Et enfin on va finir avec un blush magnifique. Non mais c'est un truc de fou, j'en ai pris deux, un pour moi et un pour le concours aussi. Et pareil que pour les baumes, je vais laisser fermer et vous me direz lequel vous préférez des deux. Il y en a un dans les tons un peu plus chauds, dans les tons un peu marronnés, beige, nude, et il y en a un autre qui est dans les tons un peu plus rosés. Et les deux couleurs sont ultra chouettes, j'ai vraiment hâte de le tester. Donc voilà pour les produits que j'ai acheté en vrac, et on va passer maintenant au mystery bag. Donc je vous ai dit que dans le site, ils proposaient un mystery bag, et moi dès que j'en vois un, je saute dessus à chaque fois parce que j'adore le concept, j'aime bien cet effet surprise et de pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'en ai pris trois, en fait j'en ai pris deux que je vais ouvrir devant vous pour qu'on voit un peu ce que ça donne, pour qu'on puisse un peu découvrir c'est quoi le genre de mystery bag qu'ils proposent. Et j'en ai un pour le concours que je vais pas vous montrer parce que c'est un mystery bag évidemment, mais je vais vous montrer les deux que j'ai ici et du coup ça va vous donner une idée de ce qu'ils proposent dans leur mystery bag. Ok, donc premier mystery bag. Et pour info d'ailleurs, le mystery bag coûte 5$, ce qui est vraiment quand même super sympa niveau prix. On va voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon, pour 5$, même s'il y a des trucs qu'on va pas pouvoir porter ou quoi que ce soit, ça sera pas trop décevant quoi, parce qu'il y a certainement des choses qu'on va adorer là-dedans. Je l'espère en tout cas, mais on va découvrir tout de suite. Première chose, hop, une brosse. On a toujours besoin de brosse, quoi qu'il arrive, donc ça tombe super bien. Déjà rien que ça, c'est rentabilisé pour 5$. Hop, on va l'ouvrir. Et c'est une brosse coussinée ovale. Alors on continue avec quoi? Une petite palette de fards à paupières. Il y a 4 mini fards à paupières, c'est un format voyage. On a du marron, du brun, du kaki et du beige. Voilà, donc ça se présente comme ça et c'est très très mignon. On continue avec une paire de chaussettes. Oh, c'est top! Moi franchement j'ai toujours besoin de paires de chaussettes. Donc je vais pas m'en plaindre, je vais les ouvrir. C'est un imprimé genre carreau losange, comme dans les pulls. Franchement, c'est top. C'est quoi la taille d'ailleurs? Ah, y'a même pas de taille. Y'a pas de taille. Parfait. C'est quoi ce truc là? Ah, c'est un porte-clés, c'est mignon! Alors là, clairement, on risque pas de perdre ses clés avec ce porte-clés tellement il est flashouille. C'est très mignon et en même temps, c'est vachement à la mode en ce moment. C'est les espèces de petits trucs là anti-stress où on appuie dessus et avec un mini avocat par-dessus. C'est très mignon. D'ailleurs ça serait parfait pour un enfant ça. Oh, un petit bandeau pour les cheveux, ça c'est nickel. Pareil, le truc, on en a toujours besoin, c'est parfait. En plus j'ai paumé le mien, ça tombe super bien. Je comptais en racheter un autre, donc du coup nickel quoi. Et les mimi, il est tout bleu avec des petites perles, j'aime bien. Ensuite on a quoi? On a un vernis rouge. On a un espèce de crayon jumbo pour les yeux bleu, mais genre le bleu, bleu ciel quoi. Et ça, je sais pas trop si je vais l'utiliser ou pas. De toute façon, tous les produits que j'utilise pas, que je vais pas ouvrir évidemment, je les mettrai de côté pour faire un espèce de mystery bag pour un concours. Je me dis que ce serait une bonne idée aussi en fait, avec plein de marques différentes, etc. Je vais voir ce que je vais faire, mais je pense que ça peut être sympa. Et ça, c'est un espèce de rouge à lèvres liquide rouge. Par contre, j'ai l'impression qu'il a été ouvert. Je sais pas si vous voyez ici. Ouais, il a été ouvert à mon avis, il me semble. Je sais pas s'il a été utilisé, non, il a pas l'air d'avoir été utilisé. Je pense qu'il a juste été abîmé niveau packaging. Après moi, ce genre de couleur là, j'ai du mal à les porter. Surtout si c'est un rouge à lèvres mat. Mais je vais voir, je sais pas trop, on verra. Et enfin, on a quoi? On a, alors c'est un highlighter couleur bronze qui est très joli. J'aime beaucoup. J'en ai un comme ça, un peu de la même couleur de chez Morphe. Donc je crois que je vais pas l'ouvrir, je vais le garder aussi pour un concours futur. Mais il est super joli quoi, franchement il est très très sympa. Et on finit avec, c'est ultra original, un jeu de cartes espagnol. Non mais c'est un truc de ouf. En fait c'est un site de make-up, mais il propose aussi pas mal d'accessoires et apparemment des jeux. Donc c'est cool, on va l'ouvrir. Ah c'est trop bizarre, c'est pas du tout le jeu de cartes dont on a l'habitude. Ah je comprends déjà rien. Ah non mais attendez, c'est un truc de fou, regardez. Si vous voyez en fait c'est des trucs comme ça. C'est trop bizarre. Bon bah écoutez, je vais essayer de voir un peu comment ça fonctionne, parce que là pour le coup je suis pas prête de jouer quoi. Ok, donc on passe au deuxième mystery bag. C'est une cravate ou quoi? Ah non, c'est un bandeau pour les cheveux. Ah non, j'ai cru que c'était une cravate. Non mais on dirait trop un nœud papillon en fait. Mais en fait pas du tout, c'est un bandeau pour les cheveux. Mais je viens d'en ouvrir un, donc je vais laisser fermer celui-ci aussi. Ensuite on a quoi? C'est une petite pochette. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec ça, mais... Ah, c'est un espèce de sac en bandoulière. Je crois que c'est pour enfants, ça c'est mignon. J'ai une copine qui a une petite fille, donc je vais le garder pour elle à mon avis. On continue, donc il y a encore plein de trucs. Un vernis rouge pailleté, très sympa. Donc pareil, ce mystery bag aussi a coûté 5$. Alors on continue. Hop.
c'est des chaufferettes pour les mains. C'est sympa ça. Et ils disent quoi? Ils disent qu'il faut secouer pour activer la chaleur. Et ensuite, ils disent qu'on peut les mettre à l'intérieur des gants ou dans sa poche. Bon là, on est en plein été. C'est pas du tout pour tout de suite, mais... Ah oui, je commence à sentir la chaleur d'ailleurs. Donc ça, je vais le mettre de côté parce que c'est vraiment complètement hors saison quoi. Mais c'est très sympa. Ensuite, on retrouve deux produits qu'on avait dans le mystery bag précédent. Donc on a l'highlighter. Pareil, donc c'est exactement le même, le trône. On a le rouge à lèvres liquide rouge. Cette fois-ci, on voit qu'il est un peu mieux fermé quand même que le précédent. Et pareil quoi, ça je pense que je vais les laisser pour un prochain concours. Ensuite, on a une paire de boucles d'oreilles et un rouge à lèvres. Donc un rouge à lèvres dans les tons un peu rouge-orangé. Ce qui est bizarre, c'est que le raisin a l'air tout fin. Mais je crois que c'est l'effet optique en fait, parce qu'il y a une double paroi et ça fait un peu en fait l'effet des loupes. On a l'impression que le truc est tout petit et je pense pas, je sais pas. On ne saura pas parce que je vais pas l'ouvrir, je vais le laisser pour un concours. Et pareil pour les boucles d'oreilles, des boucles d'oreilles effet un peu marbre rose. Et enfin on va finir avec ben, le fameux jeu de cartes. Pareil, je le mettrai dans le concours parce que j'en ai déjà un et je l'ai ouvert. Et on a cette petite boule de bain qui sent d'ailleurs super bon en fait. Ah ouais, c'est une tuerie l'odeur. Donc voilà pour 5$ ce qu'on a pu trouver dans les mystery bags. Je trouve que le concept est très sympa. Pour 5$ franchement ça vaut le coup. Il y a plein de produits différents. Il y a du make-up et des accessoires et des produits pour le bain. Donc c'est vraiment très chouette. Le prix est vraiment super intéressant. Pour l'instant j'en suis vraiment assez satisfaite. À voir maintenant avec le temps, avec tous les autres produits, ce que ça peut donner. Mis à part les frais de douane, je vais être honnête avec vous, je suis ultra contente d'avoir découvert cette marque. Je pense d'ailleurs que je vais très prochainement repasser commande pour tester d'autres produits, voir un peu ce qu'ils proposent d'autres. Et par la même occasion, vous proposer aussi un concours pour que vous puissiez aussi découvrir la marque avec moi. Donc voilà, plutôt satisfaite à vrai dire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez participer au concours, si bien sûr ce concours vous intéresse. Et dites-moi aussi si vous connaissez ou pas cette marque Miss A. Personnellement, je la découvre et j'en suis plutôt contente. Mais si vous avez un peu plus de recul et que vous avez déjà testé les produits, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Voilà, sur ce, plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout en attendant, prenez soin de vous. Mouah, salut !